on se retrouve aujourd'hui pour un petit glitch assez sympathique, une dupli d'avion. Alors, je tiens à préciser avant toute chose que ce n'est pas moi qui ai trouvé ce glitch, j'ai trouvé ça sur YouTube. Il y a d'autres YouTubeurs qui ont posté ce glitch. Voilà, je les en remercie beaucoup. Tout simplement. Voilà, alors pour faire ce glitch, il va vous falloir une Eleggy RH8 non custom, bien sûr. Une Eleggy que vous pouvez acheter chez Menez, tout simplement. Elle vaut 0$, hein. Ça vous coûte rien du tout. Voilà, 0$, le Anis Eleggy RH8. Et pour cela, il va vous falloir aussi un hangar à avion. À partir du moment où vous avez ces deux choses et forcément avion à l'intérieur, voilà, vous allez exploser votre Eleggy. Vous allez rentrer dans le hangar, tout simplement. Il y a une chose que je dois vous expliquer, parce qu'il ne faut pas dupliquer un avion en 10 fois, sinon vous ne pourrez pas le revendre. Il vous faut à la base chaque avion, comme vous pouvez le voir sur Wardstock par exemple, vous avez 4 avions, les 4 nouveaux avions qui ont été mis dans le DLC il y a 15 jours, et sur Elitas vous en avez un seul, d'accord? Ce qui veut dire que ça vous fait 5 avions. Il faut faire les duplis. En fait, à chaque avion que vous avez un avion, une dupli. De chaque modèle différent. Comme cela. Vous voyez, moi j'ai deux avions bleus. J'ai deux avions biplace. Et deux Tula. Voilà, tout simplement. Là, ce qu'on va faire, c'est que vous avez détruit votre Eleggy RH8. On va monter dans l'avion qu'on veut dupliquer. D'accord? On va tout simplement appeler la mutuelle. D'accord? Et à partir du moment où vous avez marqué Eleggy RH8, vous faites R de croix. Là, à partir de ce moment-là, vous vous retrouvez à l'extérieur avec un avion. D'accord? Et vous allez rentrer. On nous dit que c'est plein. Tout simplement. Alors, on peut aller voir au hangar à la fin, au fond du hangar, logiquement, on a notre véhicule. Et voilà, les amis, on a réussi à faire la duplication du V65, tout simplement. Vous voyez, vous avez deux avions. Alors, si vous rentrez dedans, dans le premier, vous allez voir que si on veut vendre cet avion-là, ça va tout simplement nous marquer. Alors, là, pour l'instant, je ne peux pas vendre moi parce que je suis bloqué dans la limite. Voilà, cet avion fait partie des véhicules que vous ne pourrez pas vendre.
parce que, désolé, nous ne pouvons pas vendre un véhicule valant plus de 50 000 dollars. D'accord? Par contre, l'avion original est resté ici. D'accord? Logiquement, hein, j'espère qu'il n'y a pas d'erreur. Voilà. Et là, si vous cliquez sur flèche de droite et que vous voulez vendre. Ah, alors là, il y a un petit problème. Mais bon, voilà, vous pouvez dupliquer de toute façon. Vous avez vu que vous pouvez dupliquer, il faut faire très très attention à l'avion que vous allez dupliquer. Là, a priori, j'ai perdu un avion. Mais voilà, les amis, c'est. La dupli fonctionne. Voilà les amis. Alors, on va réessayer quand même une dernière fois avec. Alors, je vais vous montrer avec ce petit avion tout simple. Qui est là. J'ai atteint la limite de vente quotidienne, d'accord? Rappeler le mécano pour rappeler le mécano. Véhicule est là. On rentre dans le garage, enfin dans le hangar, pardon. On va prendre l'avion qu'on veut dupliquer. Voilà, ce petit avion. Alors, il n'y aura peut-être pas de place pour le mettre, c'est ça un peu le problème. Vous allez appeler la mutuelle. Et là, R2 croix. Voilà, vous vous retrouvez avec un avion. En espérant que la manip marche, hein, parce que j'espère que ça n'a pas été patché entre temps. Tout simplement. Alors, on va le remplacer par un petit avion là qu'on a. Voilà, par celui-là, tout simplement. La dupli. Vous voyez, a été faite. Vous êtes d'accord? Alors, là, pour vous montrer, cet avion est toujours l'original. Voilà, là, j'ai atteint la limite de vente quotidienne, ils me disent. Et si on va dans l'autre avion? Voir que ça dépasse les 50 000, on peut pas le vendre. Ce qui veut dire, voilà, ce que je vous conseille, c'est de revendre après l'original et de garder la dupli, tout simplement. Là, on s'est un petit peu trompé sur celle-là. J'en suis vraiment désolé. Il va falloir carrément que je le rachète, cet avion. J'ai un peu mal fait la manipulation, alors faites très très attention quand même. Voilà,
Voilà, sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous dis ben, bon visionnage. Hein. J'espère que ça vous aura plu. Et ben, que tout simplement, laissez un petit commentaire si ça vous a plu. Laissez un petit pouce bleu. Voilà, les amis. Allez, ciao. À très très vite.